Yo les gars, c'est Jeffrays, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build. Du coup, j'ai essayé de les refaire un petit peu tous, vous avez vu. Après la mage, j'ai commencé par le buteur. Et aujourd'hui, on s'attaque au MOC. Bon, d'abord, je vais faire un MOC Lenti les gars, parce que c'est ce que je joue personnellement en ce moment. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et juste avant que ça commence, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner. Et partager, bien sûr, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas également à activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos. Et nous, on est parti du coup pour le poste BU. Ça a son importance, que ce soit bah, du coup pour être lanky, mais également pour avoir une bonne frappe, être plus rapide. Au niveau de la taille, on est à 1m88, donc très grand, mais pas non plus énorme hein, sur le terrain. Vous inquiétez pas, vous avez de quoi faire pour les dribbles si vous aimez bien ça. 86 kilos, voilà. Ensuite, pour ce qui est des styles de jeu, moi j'ai mis tir puissant en plus, c'est assez personnel parce que bah, du coup, vu qu'il est lanky et qu'il a beaucoup de frappe, j'aime bien tirer de loin. Et c'est vrai qu'avec tir puissant en plus, le fait que ça tire plus rapidement et que la frappe soit plus puissante en fait, bah, ça offre des opportunités en plus sur le terrain, surtout quand on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, pardon. Le meilleur, c'est de frapper. Donc, tir puissant plus, je vous conseille. Passe tank plus, pareil, hein, vous connaissez, c'est mon favori cette année. Il est vraiment indispensable. Ensuite, ça aussi, pareil, c'est si vous ne les tirez pas les coups francs, ça sert à rien. Mais coups de pied arrêtés, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo là-dessus. Sur les coups francs, si vous ne savez pas encore comment bien les tirer. Là, avec cette technique et ce type de jeu, vous allez tous les mettre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, sinon mettez quelque chose d'autre. Vous pouvez mettre par exemple résiste au pressing ou alors contrôle. Ensuite, passe incisif. Vos passes en profondeur, elles seront plus rapides et précises. Passe en profondeur. On a également rapide, foulée rapide et extérieur du pied. Je trouve que ça sert pas mal. Ça aussi, les extérieurs, je l'ai mis il n'y a pas longtemps et c'est vrai que pour les ballons sur le côté, avec un petit effet pour que ça rentre sur la fin de la passe en fait vers l'axe pour que l'attaquant puisse se diriger directement en direction du but ou même trouver des angles de passe qui sont pas possibles avec des passes normales. C'est vraiment très cool. Ensuite, pour ce qui est des attributs, on commence avec la vitesse. C'est pas compliqué, vous mettez tout. Voilà, ça ressemble un petit peu au buteur, vous l'avez remarqué, c'est normal parce qu'on fait la même taille et le même poids. Donc 85 en accélération et 91 en vitesse, c'est largement suffisant. Vous inquiétez pas là-dessus. Un petit précision coup franc que j'ai rajouté ben, pour augmenter ma précision, mais sinon, pas besoin de le mettre. Si vous voulez le mettre autre part, vous pouvez, c'est le seul. Sinon, la quatrième étoile de mauvais pied, la cinquième, beaucoup de tirs de loin, 4 exactement, pour avoir 92 en tirs de loin. On a notamment l'archétype finition. Et en parlant de finition, on en a pas mal. On a 95. C'est énorme pour un milieu offensif. Mais vous devez le marquer. Donc avec ça, pas de souci. On a également, pour entrer un petit peu en détail, dans les volets 88, 86 en puissance de frappe, 79 en précision de tête. Donc vraiment très cool. Ensuite, au niveau des passes, rien du tout. Ça peut être étonnant, mais vous verrez, hein, surtout sur les comptes Virtual Pro Gaming, la compétition non officielle, on va dire, disponible pour le mode Club Pro. Si vous allez voir les meilleurs joueurs, ben, ils jouent tous en tant qu'MOC sans les stats en passe. Parce que finalement, avec les styles de jeu et styles de jeu plus qu'on met, ça suffit largement. Il n'y a pas de quoi dépenser d'autres points de compétence, j'ai envie de dire. Donc vous inquiétez pas, ça fait 73 en passe longue et 75 en passe courte. Testez, vous verrez que vous n'en raterez pas pour autant. C'est vraiment pas ça qui va vous faire rater des passes. Ensuite, au niveau des dribbles, beaucoup de dribbles. Pas énormément d'agilité, les gars, parce qu'il faut arriver à 73. On ne peut pas mettre plus pour nous permettre d'être lanky et avoir cette différence de 20 entre l'agilité et le physique. Donc on a 73, on ne peut pas monter plus. On a l'archétype maestro, ce qui nous fait avoir 88 en dribble, ça c'est pas négligeable du tout. On a les 5 étoiles de geste technique pour se faire plaisir. On a l'archétype lynx également de l'autre côté pour avoir 86 en équilibre et 92 en conduite de balle, donc des stats vraiment
très très bien. Vous voyez que pour un grand joueur, franchement, c'est très correct, hein. Même plus que correct, c'est excellent. Ensuite, en défense, rien du tout. Et enfin, en physique, on a du coup l'archétype puissance dont je vous parlais pour pouvoir avoir 93 en force et avoir cette différence exacte de 20. On ne peut pas mettre d'autres forces. C'est pour ça qu'on s'arrête à ça. Et enfin, on a également un réactivité pour pouvoir avoir 86. Pareil, c'est très 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 suffisant. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous fais un rapide aperçu. Hop, hop. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer également le fromage que vous aimez tant. 89 de général, mais les gars, franchement, je le répète très souvent, mais c'est pas pour autant que vous êtes moins bon que quelqu'un qui a 93 ans en général. C'est juste qu'il faut mettre ce qu'il faut là où il faut. Pas besoin de tout mettre en passe juste pour avoir un bon général. On s'en fout du général. Ce qui compte, c'est sur le terrain, ce qui va faire votre joueur. Donc moi, je vous conseille celui-ci. N'hésitez pas à le tester, à me faire vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça me ferait super plaisir. Comme ça, on peut s'améliorer tous ensemble. Et voilà, les gars, fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.